C'est le mec, aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Denis Zakaria au Barça. Mais avant de parler de Denis Zakaria, qui est selon moi un très bon milieu de terrain, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous et nous les gars, on est parti pour parler de l'arrivée de Denis Zakaria au Barça. En fin de contrat le 30 juin 2022, Denis Zakaria serait suivi de très près par le FC Barcelone, la Juventus et l'AS Roma. Si le Barça resterait son rêve, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach préférerait actuellement l'offre turinoise. Très performant sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria aurait séduit le Barça de Xavi. D'autant qu'il sera en fin de contrat le 30 juin. Et alors que le milieu de terrain suisse pourrait quitter son club librement et gratuitement en 2022, deux autres écuries européennes seraient en embuscade. En effet, Denis Zakaria aurait la cote en Italie du côté de la Juventus et de l'AS Rome. D'après les informations de Nicolas Kira, les nouvelles ne seraient pas vraiment bonnes pour le FC Barcelone. En effet, l'AS Rome aurait trouvé un accord de principe avec l'agent de Denis Zakaria au mois d'octobre pour un engagement jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, la Juventus serait passée devant les Giallorossi de José Mourinho sur ce dossier. Et à en croire Nicolas Kira, les Bianconeri auraient également un train d'avance sur le Barça puisque Denis Zakaria privilégierait l'offre turinoise, même s'il rêvait toujours de rejoindre le club catalan. Reste à savoir si Xavi saura inverser la tendance. Voici en tout cas les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, mets ton avis dans les commentaires. Est-ce que l'arrivée de Denis Zakaria au Barça est vraiment une bonne idée? N'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça reste et c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous les mecs. J'ai envie de vous dire à la prochaine et salut.